Pour, euh, gruger euh, l'algorithme hein, clairement en fait on est obligé de trouver des petites astuces par exemple pour pas employer le mot euh, porn on va mettre p astérix rn Lundi matin, je reçois un coup de fil d'une journaliste qui me demande si nos vidéos ont été démonétisées. Je regarde et effectivement, 20% d'entre elles ont été démonétisées dans la nuit, sans aucune explication. Démonétiser, ça veut dire qu'il n'y a plus de publicité juste avant nos vidéos. C'est dramatique parce que ça génère plus de revenus sur YouTube, mais surtout les vidéos n'atteignent plus leur cible et sont beaucoup moins vues. Elles sont plus en tendance et elles ont beaucoup moins d'impact. Nous, les vidéos qui ont été démonétisées, c'était surtout des vidéos de santé publique et c'est pour ça que ça nous a choqué, notamment l'endométriose et une sensibilisation au cancer du sein. Qui Palpez-vous les seins. Mais ça, à la limite, c'est des vidéos qui sont sorties il y a un certain temps. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on met une vidéo, elle est démonétisée aujourd'hui. Est-ce que YouTube est sexiste On peut se poser la question parce qu'à chaque fois euh, que c'est une vidéo qui parle de la femme, de la santé de la femme, du plaisir de la femme, de la sexualité, d'une manière générale, elle est démonétisée. On a fait une vidéo par exemple récemment qui s'appelle L'épilation, qui parle de l'origine de l'épilation. Ça, par exemple, ça a été démonétisé. Alors que d'autres copains qui ont euh, des chaînes YouTube aussi, qui parlent du plaisir masculin ou d'attributs masculins aussi, ne le sont pas. Et quand on pose la question à YouTube, ils nous disent que c'est la faute des annonceurs, en fait, que euh, nos vidéos sont les bienvenues sur YouTube, parce que c'est de l'information, mais que les annonceurs ne veulent pas forcément s'associer euh, à nos vidéos parce qu'elles sont euh, dites à risque, entre guillemets. En fait, il y a des catégories pour eux, il y a des vidéos sans risque, des vidéos mainstream qui parlent par exemple euh, de chatons, <laughs> voilà. et des vidéos qui sont un peu plus engagées, euh, qui parlent de santé publique, de, du corps de la femme, du désir de la femme, qui sont dans la catégorie à risque pour les annonceurs. À l'heure où on libère la parole de la femme, pourquoi on la censure sur YouTube qui est le média qui touche directement les jeunes